Fredpin Radio, sono Chiara Nicoletti da Roma con Paul Kircher, protagonista di Winter Boy di Christophe Honoré su Mubi dal 28 aprile. Una recensione di questo film diceva che per Lucas, lo diceva in inglese, grief is everything, il dolore è tutto, ed io ho pensato che però questa frase ha ancora più senso o ancora più forza se pensiamo che l'adolescenza in sé è un momento in cui ogni piccolo sentimento diventa quasi esagerato. Che ne pensi? E come si rappresenta appunto un dolore che è ancora più forte di tutti gli altri dolori? Oui, en fait, pour moi, c'était intéressant cet âge-là de 17 ans, parce que moi, j'avais 20 ans quand on a fait le film, et j'avais l'impression, peut-être que c'est faux, mais j'avais l'impression que finalement, même si c'est seulement 3 ans, c'est un âge particulier, mais même 20 ans finalement, mais c'est un âge particulier où justement, il y a quelque chose de l'ordre de très... Voilà, la façon dont il vit le deuil, Lucas, est très particulier, quoi. Il y a quelque chose dans oui, j'en pense ceci, ah non, en fait, j'en pense cela, ah, j'en pense ceci, j'en pense cela, et c'est quelque chose de blanc, noir, et chose très des discours très contradictoires qui s'opposent. Et donc, c'est ça qui est douloureux à cet âge-là, et c'est ça qui est douloureux parce que justement, il se rend compte finalement qu'en fait, il ne connaît pas la vérité et il ne sait pas quoi en penser. Et voilà, c'est ça la chanson, Si amo solo conchiglie. Voilà, je suis juste un coquillage et en fait, c'est ça qui est douloureux aussi. Parce que dans un premier temps, quand il s'en va à Paris, il oublie le deuil un peu. Il est là et il pense à autre chose. Il découvre Paris et il pense que voilà, il peut faire sa vie ici et tout. Mais en fait, ça fait beaucoup à la fois et ça lui retombe dessus de manière encore plus violente, quoi. Mais il y a quelque chose un peu de l'ordre de, il comprend pas tout à fait tout de suite le deuil. Même c'est possible qu'il le comprenne pas. C'est pas possible à comprendre à cet âge-là tout de suite, quoi. Mais pendant le film, je pense pas qu'il comprenne le deuil. Mais ça passe par différents états. Ouais. Nel tuo percorso ai festival come questo, alle presentazioni del film, quando hai vinto premi, c'è qualcosa che ti hanno detto sul film, sulla tua interpretazione, ecco, valutazioni sul film che ti hanno colpito particolarmente, che ti ricordi, ecco? En fait, parfois, ça arrive que des personnes me disent, j'ai l'impression que ce personnage Lucas, il existe vraiment et qu'il est quelque part là, il existe quoi, en fait, il a vraiment vécu, il existe encore. Et donc, je pense que c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est aussi la manière dont a fait le film Christophe Honoré. Qui est très accordé avec cet élan de jeunesse, quoi. En fait, dans le film, c'est moi qui raconte la voix off, mais le film aussi est raconté d'une manière un peu adolescente, et donc ça fait quelque chose de très vrai, très transparent, et qui offre une très belle fenêtre sur ce jeune homme que le spectateur a la possibilité d'observer comme s'il existait. C'est quelque chose de très intime, très intime et très privilégié, comme rapport qu'a le spectateur avec la vie de Luca. Alla luce di quello che mi hai detto, ti saluto chiedendoti se hai immaginato Luca nel futuro e come lo immagini. C'est marrant parce que justement pendant l'interview, je pensais à un moment, je me suis dit, est-ce que, parce que il y a déjà une question en interview, est-ce qu'il y aura une suite ou quoi? Et en fait, justement, je ne saurais pas comment l'imaginer. J'y pensais justement quand je disais il sait pas, quand on disait il sait pas ce que c'est le deuil, en fait il l'a pas compris. Est-ce que plus tard alors il apprend à le enfin il l'intègre différemment, je sais pas, franchement je sais pas, et peut-être qu'un jour je saurai, mais là non, je sais pas. Attendez, il pourrait, non. Ma c'è un film di Christophe Honoré, Story Angel,
Plaire aimer courir vite, que possiblement la Luca ma più tardi. E io ringrazio Paul Kelscher, protagonista di Winter Boy, su Mubi dal 28 aprile. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.